Bonjour à tous et bienvenue dans la bouilloire à idées. Mais la bouilloire, qu'est-ce que c'est ? La bouilloire, c'est une petite série. Quelques minutes pour convaincre, pour jouer, pour tester. 30 minutes maximum pour essayer un jeu, un prototype de game jam ou un jeu indépendant. Quelque chose qui va peut-être nous donner de bonnes idées. La bouilloire, tu mets de l'eau chaude, tu fais chauffer. Et à la sortie, peut-être que tu as un bon thé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bouilloire, où nous continuons de tester quelques prototypes créés lors de la Ludum Dare numéro 38, qui s'est donc déroulée du 21 au 24 avril et dont le thème était Small World ou Petit Monde. Aujourd'hui, nous allons parler de thèmes un peu moins joyeux que les derniers épisodes, puisque les jeux que j'ai trouvés pour vous aujourd'hui traitent tous du thème d'une façon un peu particulière, puisqu'on va parler de routine, d'habitude, et du fait de recommencer sans cesse la même chose, comme si on était coincé dans un petit univers. Et on commence donc avec le jeu Daily Routine, The Smallest Worlds Are The Ones We Get Stuck In, qui pourrait se traduire par routine quotidienne, les plus petits mondes sont ceux dans lesquels on se retrouve coincé. Et on va tout de suite commencer. Voilà. Alors, ça a l'air d'être un jeu qui est créé d'une succession de petits jeux. Donc là, il faut que je choisisse ma cravate. Press the left mouse button to eat your cereal. Ok. Allez, mange. Clac, 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 clac. Youhou! J'ai un temps limite. Il faut que je finisse mon bol, j'imagine. Allez, allez, tu peux le faire. Plus que 5 secondes. Amazing, you ate your breakfast. Amazing, tu as mangé ton petit déjeuner. C'est triste quand on y pense. Réponds à tous les mails. You are like you, polite, very polite, polite, not goodbye, polite, Sympa, il y a quelqu'un qui nous a mis du chewing-gum. Ah, on nous a mis du chewing-gum sur notre chaise. Ah mon dieu, je comprends. Mon dieu, meilleur employé jamais. C'est horrible, c'est super angoissant. J'ai répondu à 13 mails. Hey. Alors, kick left to sear and right to boo. Boo. Ah. Yay. Yeah. D'accord, il faut que je... Yay. Yeah. Allez, mettez des buts, mon équipe. Non, j'ai encouragé alors qu'il fallait pas. Yay! Yeah. J'ai hué au bon moment, c'est bon. Yay! Yeah. Mon équipe a l'air de gagner, c'est bien. Yeah! Boo! 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 Non, il se rattrape. Yeah! Vous êtes un dieu du football. Ouais! Trop bonne supporter. Yeah. Ah non, faut recommencer. Aïe. Allez. On va essayer de faire mieux que la dernière fois. C'est reparti pour le petit-déj. C'est très très simple à jouer au moins. Pas de doute là-dessus. Aïe. Allez. J'espère que c'est pas tout ce qu'il y a en boucle. Peut-être d'autres jeux, avec un peu de chance. Wouh! C'est mon nouveau high score. Mm-hmm. Céréales, il y a une erreur, il y a une faute d'orthographe. C'est céréales par seconde, CPS. 5.038. 5 céréales seconde. Bon rythme. Polite. Polite and fuck you, the parent guy. Super.
Ok, d'accord. Alors, sincèrement, Yo Mama. Oh non. C'est signé Mama. Best employee ever. Ouh, nouveau score. 14 mails. On recommence. Boo. Équipe en train de perdre. Mais pas pour la soirée avec ça. Allez, mais j'ai cliqué. Yeah. Boo. Achète l'arbitre. Tout ça. Je m'y connais vachement, supporter de foot, vous voyez. Je sais juste dire ça. Ouh, yeah, au shot l'arbitre. Sport. Do the thing, win the points. Troisième jour. Est-ce qu'il y a un changement? Il n'y a pas de changement. Je pense que c'est tout, en fait. Il n'y a pas de variation dans le jeu. Et que justement, ça fait partie du jeu aussi, il n'y a pas de variation. Ton but, c'est juste de faire mieux chaque jour. Mais je vais quand même faire cette journée pour voir s'il n'y a pas un tout petit changement quand même. Oh, vous avez vu la tasse en haut à droite? Avec le petit cœur tout triste. Bonjour. Pas être comme ça, voyons. Regardez, ma tasse du jour, à moi, elle est mieux. Elle dit j'adore le RERB. Et en haut, il y a marqué The Mug is a Lie. C'est un ami qui me fait ça. Qui me l'a offert. Parce que je suis sur la ligne du RERB sur Paris et... Et c'est nul, ça se passe très mal. Donc j'ai un ami qui m'a fait un mug. Offrez-moi des mugs, j'adore ça. Ah non. Ah, light, right. You're right, thank you. You're right. Yeah. Ah, je m'en fiche, je réponds polite, very polite, tout. Voilà, tant pis. Please forgive me. Ah, j'ai pas le temps de lire les réponses, ça avait l'air rigolo. Mais les messages sont mix de plein de petits messages défauts et ils sont souvent assez horribles en fait. J'étais là, je peux juste répondre poliment ou super poliment. Ah. En plus, il y en a plein qui nous mettent du chewing-gum sous notre chaise. Ou notre bureau, je sais plus. Allez, yeah. Tu prêtes, vas-y. Yeah. Notre équipe gagne aujourd'hui. Yeah. Boo. Yeah. Yeah. C'est bon, on va gagner là. On va trop gagner. I'm a football god. Je crois que c'est tout, ouais. Quatrième jour. Je regrette qu'il n'y ait pas plus de bruitage sur cette partie-là. Ça me ferait vraiment rien d'entendre scrunch, 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 mais c'est pas dramatique. Et je vais m'arrêter là. Je peux pas m'arrêter. Voilà, comme vous voyez, je ne peux pas m'arrêter. Donc je vais quand même m'arrêter là pour ce jeu. Oh, si je fais pas, je... Je vais pas le faire, attendez. Je vais juste laisser passer. Qu'est-ce qui se passe si je réponds pas du tout? Shut down. Please enter password. Oh, password. Oups. Escape your loop. Ça a l'air d'être ça ici. Ah!
Correct. Puck et Pic. Les 38, Cats, Hobbit. Mais. Ouais, si on refuse de jouer au jeu, du coup. Ça a l'air rigolo. Je passe des trucs. Quand je pense que j'ai failli quitter. Diantre. Ok, et à part ça, ok. 5 secondes, 6 secondes, 4, 3, 2, 1. Ça change rien. On n'aura pas du tout mangé là. Si on mange rien, qu'est-ce qui se passe? Oups. You are fired. Oups. Je suis viré. P. Oh. 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 Au bas. Ah, c'est mignon. Je sais pas si vous vous rappelez de l'image de début. Il y avait donc le trophée sur la droite avec juste un petit avec une petite toile d'araignée et tout, et on choisissait sa cravate. C'était l'entrée de jeu. Et du coup là, le jeu nous dit globalement, vous laissez pas coincer dans la routine et rappelez-vous vos espoirs et vos rêves. C'est mignon, c'est très mignon, c'est très très pamphlet positif de achetez-vous une vie meilleure ou faites-vous une vie meilleure, parce que vivre ses rêves c'est bien, mais c'est difficile d'en vivre des fois. Mais c'est sympa. Le jeu est rigolo dans ce sens-là. Le message de fin est pas forcément, est un peu simpliste à mon goût, mais pourquoi pas? Parce que bon, il faut rappeler que ouais, poursuivre ses rêves, etc., c'est sympa, mais tout le monde ne peut pas le faire parce que bah, il faut bien payer sa facture au bout d'un moment. Et que il n'y a pas non plus de honte à aller dans une routine qui n'est pas forcément satisfaisante, mais qui nous permet de survivre. Il n'y a vraiment pas de honte à ça, et il ne faut pas s'en vouloir si vous vous retrouvez dans une vie qui ne ressemble pas au rêve que vous aviez, ou quoi que ce soit. L'important, c'est que vous puissiez survivre, et que vous puissiez vous contenter et être heureux de ce que vous ayez. Dans le sens, au moins, vous avez survécu, vous avez pu prendre soin des gens que vous aimez, de vous-même, et ainsi de suite. Parce que poursuivre ses rêves, ça fait souvent au coup de sa santé, au coup. Ouais, ça se fait souvent en sacrifiant pas mal de choses, y compris sa santé, parfois des liens avec les gens, et ainsi de suite. Donc il n'y a pas de honte à se contenter de ce qu'on a, et à trouver son bonheur comme ça, ou à revoir ses objectifs et ses espoirs, pour faire en faire quelque chose qui nous plaît plus, une fois qu'on se retrouve dans une situation différente. Voilà, c'était pour un petit peu compenser le message de ce jeu, qui me plaît, mais qui n'est pas forcément... qui est sympa, c'est sûr, ça fait toujours plaisir à tout le monde de dire oh, je veux faire ci dans ma vie, je veux faire ça, je veux faire ça, etc. Et c'est très hypocrite de ma part, vu que j'ai pu exercer le métier dont je rêvais. Mais ça s'est pas forcément bien passé d'ailleurs. Mais du coup, voilà. Bossez vers vos rêves, mais n'ayez pas peur non plus du quotidien ou d'avoir des travaux ou des activités de survie. Y a pas de mal à ça. Et vous gérez votre vie comme vous l'entendez, et c'est pas grave. Si ça ressemble pas au rêve que vous aviez adolescent ou que vous avez encore de temps en temps. On peut être heureux sans ça aussi. Voilà. Yay. Passons à la suite. Passons donc au deuxième jeu. Qui lui s'appelle... Tomorrow or... When the world is not bigger than a house. Qui donc veut dire demain ou quand le monde n'est pas plus grand qu'une maison. On va voir ce que ça donne tout de suite. Voilà. Ceci a été mon monde pendant ces dernières années. C'est tout ce que je verrais dans ma vie. Dress up. Ok. Aller aux toilettes. Pis, aller faire pipi. Toilette, voilà. Pis.
Hein? Ah. Yoga. Je dois faire du café. Ah, là, je me sens bien. Add coffee. Add sugar. Bring coffee. Ok, could use some sugar. I'd like to play on my PC. D'accord. Play, donc jouer. Jump, please leave me. Ok. Ça me rappelle géométrie d'âge. Sympa. Oups. Je dois aller me doucher. Je ne peux même pas gagner à ce jeu stupide. Mais non, mais sois pas comme ça. Ça va bien se passer. Open hop, open call. Open. Winter shower. Ok, c'était pas une bonne douche. Dormir. D'accord. C'est pas comme ça. Voilà. Soupir. Je pensais que je faisais des progrès. Je peux même pas maintenir les choses dans ma propre maison. Ah, c'est super. D'accord, on va réessayer. La toilette. Faut que je fasse du café. Add coffee. Add sugar. Add sugar, why not? Ah! Là, le café était mieux. Jouer. Ok, alors je vais essayer de pas perdre. Je suis pas très très bonne à ces jeux-là, alors. Allez. Ouh! J'ai réussi. J'adore gagner. Tout le monde aime bien. Shower. Prendre une douche. Comment réparer ça? Cette adresse, je suis sûre si on arrive à réparer ça. Ouvrir l'eau chaude. Ça n'a pas marché. Dormir. D'accord, mais je peux pas faire autre chose. Non. D'accord. On va réessayer. Je me sens un peu moins triste d'une certaine manière. Peut-être que demain sera mon jour. Ou peut-être que je devrais juste aller dormir. Porter ses fringues. Aller aux toilettes. Donc on parle vraiment là on parle vraiment de routine. Je parle après. Je vais. Sugar. Un peu de sucre. Voilà. Quel très très bon café. Je vais réessayer de ne pas perdre. Ok, ça va se passer. Hey! Se doucher. J'ai pas compris comment fonctionne la douche encore. Alors on va essayer. C'est comme ça? C'est pas ça. Mais j'avance plus vite, vous voyez, que tout au début. Enfin, j'ai l'impression d'avancer plus vite. C'est peut-être pas le cas, mais j'ai l'impression que mon personnage avance moins lentement. Je me sens moins triste. Peut-être que demain est mon jour. Peut-être que je devrais juste aller dormir. Il faut que je trouve comment faire les choses. Dress up. Non, dress up pas. Attends. Est-ce qu'on peut pas faire des trucs? Non, il faut vraiment que je m'habille d'abord. La musique est très sympa par contre. Une toilette. Faire du café. Sucre. Ok. Quel très bon café. Mais je peux pas faire autre chose. Je vais pas commencer à faire autre chose. Non, d'accord. Ok, alors on va continuer. Hop. Hop. Il faut que je trouve comment fonctionne la douche. Super chaud. Alors. Toujours pas. Je comprends pas comment fonctionne une douche. C'est embêtant. Ouais, je me ressens moins triste. J'ai trouvé.
J'ai trouvé une instruction, c'est bon. Les développeurs s'excusent dans la description du jeu, en fait. C'était effectivement pas clair, et je sais comment faire fonctionner la touche. Je sais pas si c'est, si c'est un peu vous spoiler quand même, si vous aviez envie d'y jouer. Hop, sugar, sugar. Et comme moi, il aime bien son café sucré. J'aime bien des fois aussi. Surtout si c'est le matin, en fait, au réveil. Le tout premier café du jour, j'aime bien le faire sucré. Le reste, après, ça va, une fois que je suis réveillée. Mais... Bon, quoique, ça dépend des jours, en fait. Chacun son truc, hein. Il y en a qui aiment pas le café, hein. Normal. Se doucher, tout. J'ai trouvé ce qu'il faut faire. Voilà. What a nice shower. Ouais, quelle bonne douche. C'est ça, en fait, il faut mettre les points vers le haut. Donc il faut trouver les rotations, en fonction de droite ou gauche. Today, aujourd'hui était très bien. Aujourd'hui était très bien. Aujourd'hui c'est très bien. Waouh. Je sais que c'est un peu stupide, mais je me sens très heureux. Voilà. Donc c'est la fin du jeu, mais en gros... le jeu parle de dépression, je pense, ou de situations similaires à la dépression. Donc on se retrouve enfermé dans son propre monde, dans sa propre dépression, à faire la même chose en boucle et à pas réussir. Et où le moindre échec peut faire se sentir très très mal. Le fait de ne pas réussir à maintenir sa maison, de ne pas réussir à s'habiller correctement, de ne pas réussir à se faire à manger correctement, de brûler un truc. Voilà. Visiblement, on peut télécharger la musique. Si vous avez bien aimé la musique, elle est téléchargeable aussi, gratuitement. Le jeu est gratuit. Il y a l'option de donner un peu de sous développeur, mais vous n'êtes pas obligé. C'est pay what you want, option itch.io. Tous les liens sont dans la description. Et du coup, je vous mettrai peut-être les liens pour télécharger la musique, qui est très sympa au demeurant. Mais voilà, c'est le point de ce jeu, c'est donc de faire cette boucle de répétition, mais d'essayer de l'améliorer un petit peu chaque jour pour montrer si ça peut évoquer là, justement le fait de sortir un peu de périodes dépressives, quand on est dépressif, donc des périodes très basses et des périodes très hautes. Il y a pas mal de points alimentaires qui fonctionnent un peu pareil. Mais voilà, je me sens un peu triste après ce jeu, je vous avoue. Mais c'est sympa, le jeu est très bien fait. Dans ce sens-là, le jeu est très bien fait. J'aimerais un petit peu plus de sound design pour les actions. Quand on fait quelque chose, ce serait vraiment le premier truc que j'ajouterais, et peut-être un tout petit peu de variation. Mais pour un jeu en 72 heures, c'est très très bien fait. En termes de narration, c'est réussi aussi. C'est très simple, mais c'est réussi. Il n'y a pas besoin parfois de chercher midi à 14 heures. On comprend très vite ce qu'il faut faire, on comprend très vite ce qui se passe. Et c'est très sympa. Déprimant, mais très sympa. Déprimant, enfin. Ça peut l'être. Pour beaucoup de personnes qui ont déjà vécu une dépression, par exemple, ça peut être pas tout à fait le jeu auquel ces gens ont envie de jouer. Ça peut rappeler un peu trop de choses. Mais voilà, c'est un prototype très très intéressant. J'espère qu'ils vont continuer à fixer les derniers trucs et peut-être ils feront une version plus complète. Voilà, c'était touchant. Donc, maintenant que j'ai bien parlé de dépression, la suite, le jeu suivant s'appelle Our Cramped Little World, et ça veut dire donc notre petit monde serré. Cramped, c'est vraiment être serré, compacté. Donc, ça avait l'air intéressant dans un autre genre. Un peu similaire, moins dans la répétition journalière, mais quand même. Enfin, ça avait l'air intéressant, en tout cas, vous allez voir tout de suite. Our Cramped Little World. Alors, félicitations, vous avez obtenu un appartement et ça, il n'attend que vous pour déménager, il n'attend que votre déménagement. Attendez, est-ce qu'il est supposé être si petit? Alors, Our Cramped Little World est un jeu à propos des défis de la vie de tous les jours dans un très petit appartement. Essayez d'y rentrer tous les meubles par drag and drop. On peut les tourner par QLE. Et on peut changer
Caméra avec RMB, d'accord. Une fois qu'on a placé tous les objets, press button to continue. Très bien. Alors. Donc, il nous faut. On va faire ça comme ça déjà. Ça, c'est des toilettes. Non. Le drag and drop est pas évident. Je sais pas si parce que je suis en dual screen, mais c'est possible. J'aurais dû placer d'abord les plus grands trucs en fait. Ici. On pourra pas accéder à. Vas-y. Non, descends. Ah! Voilà. Ouais, ici. Ça va se passer. Ah! Non! C'est là! Ici. Ah! Attends, toi, on va te. Non, ça va pas passer si je fais ça. Ah, ça marche si je mets ça comme ça. Ok. J'ai plus de place que ce que je croyais en fait. Ah non. Tu peux le faire. Viens ici. Est-ce que ça va passer? Je suis pas sûre. On va plutôt faire comme ça. Attends. On va te mettre là. Toi. Ici, hein. Ici. Non. Non, attends, attends. Hop. Hop. Et ça. Et du coup. Ça passe, là. Hein. D'accord, ça passe. Alors, toi ici, toi mets-toi là, et toi mets-toi ici. Start the day, on va commencer la journée. Alors, maintenant c'est le moment de commencer la journée. Fais glisser les objets et les habitants pour les aider dans leur tâche journalière. Pour finir une tâche, faut mettre l'habitant juste à côté de l'item lié, d'accord. Pendant cette phase, on ne peut pas faire tourner les objets et on ne peut pas les sortir de l'appartement. Et si on se sent coincé, on peut recommencer, d'accord. Ok, take food from fridge. Donc la maman, elle fasse la cuisine, d'accord, et qu'elle place ça sur la table. C'est bon, ça c'est bon, tout le monde mange, madame va dormir, monsieur va dormir, et l'enfant va dormir sur le canapé. Ok. Alors c'est rapide. C'est dommage, c'est super rapide. Je vais l'essayer, on va jouer autrement. Ça quitte automatiquement. C'est dommage. Et c'est tout. Oh, c'est dommage. Le concept est très très intéressant. On va faire autrement. On va faire un vrai concept, attendez. C'est super intéressant. Le fait de. Là, on parle plus de survie dans des conditions pas forcément optimales. Ah ! Ou dans des conditions parisiennes, si vous préférez. C'est, ça marche aussi. On se croirait en train d'essayer de meubler un appart parisien. Alors, on met ça. Ici. Ici. Ici, voilà. Et vous savez quoi? Je vais être ouf, je vais mettre ça là. Mettons ceci ici. Et ceci ici. Alors, j'en ai plus rien à faire. Je suis à ce stade de. Là, on s'en fiche. Mmh.
Ok, peut-être pas. Ce que je me demande, c'est est-ce que les... Fine. Vas-y. En plein milieu. Pas de problème. Mais madame. Come on, mom. Come on, dad. Allez. On va essayer comme ça. Est-ce que ça va être les mêmes tasks? Les mêmes tâches, voyons. Oui. Oui, pour l'instant, c'est les mêmes, hein, clairement. Encore un petit effort. Voilà. Mettre la nourriture. Je peux pas aller là. Mince. Le slider est pas tout à fait au point en fait. Le drag and drop est pas super. Mince, il y a gamin qui coince. C'est un peu chacun son tour sur cette table en fait. Ah lui il peut pas. Mais si il peut rien. Non il peut pas. Oh, ça suffit, arrête, tu peux très bien y aller. Enfin. Voilà. Toi. Ah. Ok. On va mettre le tabouret ici. Pour qu'elle puisse se déplacer. Dormir et dormir. Done. C'est très 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 intéressant aussi. Comme je disais, c'est un peu vite à vie à Paris. Dans Paris, si on veut plaisanter, mais c'est surtout, ça parle surtout de la difficulté de vivre dans des lieux exigus, dans des lieux très petits où il faut s'arranger malgré tout, quand on n'a pas assez de sous pour se payer plus grand, qu'on a quand même une famille à faire vivre et qu'on a quand même besoin de pouvoir conserver à manger, et ainsi de suite. J'aimerais bien que le jeu ne quitte pas automatiquement à la fin de la journée, qu'on ait une deuxième journée à vivre avec d'autres tâches. Je pense que c'était l'ambition clairement de son prototype, de nous donner à chaque fois plusieurs jours d'affilée pour essayer de bouger l'appart, de bouger les gens et remplir de plus en plus de tâches. Imagine, il faut que le gamin, imagine s'il y a une porte, il faut que le gamin sorte, aille à l'école, revienne, fasse ses devoirs sur la table, alors qu'il faut manger ou faire autre chose, que le père fasse les comptes, que la mère fasse ci, ça. Plein de possibilités. C'est un peu sexiste aussi sur le point de vue, c'est forcément un mother qui fait à manger pendant que le père ne fait rien. Donc il y aurait d'autres choses à trouver, mais c'est un peu stéréotypé, mais c'est très clair aussi comme ça. Des fois, l'attrait des stéréotypes, c'est que c'est simple à comprendre. Et que du coup, ça évite aux gens de s'attarder à réfléchir à d'autres choses. Pour un petit prototype, c'est très très bien fait, je trouve. Je trouve qu'en termes d'artwork et de concept, c'est très très bien fait. C'est très intéressant. Je me sens un peu comme dans les Sims quand j'ai qu'un peu de sous pour un tout petit appart, mais que j'ai envie d'acheter plein de meubles. Mais en beaucoup moins n'importe quoi. Et c'était super intéressant aussi. C'était moins sur la routine que ce que je pensais, par rapport aux deux jeux précédents qui étaient sur la routine de la vie quotidienne, sur l'aspect répétitif, et comment on peut parfois se faire enfermer et s'enfermer soi-même dans cette répétitivité, au point qu'on oublie pourquoi on fait ça. Mais c'était super intéressant justement pour montrer un autre versant de ça, c'est que bah, parfois, le quotidien, c'est un défi. Ça rentre aussi dans cet aspect-là, c'est que le quotidien, des fois, c'est un défi. On peut rendre ça sous forme de jeu, mais c'est une interprétation assez intéressante, c'est que là, le défi, c'est de réussir à vivre son quotidien, malgré le fait qu'on n'a pas assez de place pour tourner nos meubles, malgré le fait que on n'a pas beaucoup de place dans cet appartement et qu'il faut quand même continuer à vivre. Voilà, c'était des prototypes beaucoup plus profonds en termes de messages que les prototypes précédents. Même si ceux sur les plantes, par contre, avaient un message un petit peu... Par exemple, avaient un message un peu écolo. Mais voilà, j'ai trouvé ça très 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 intéressant. Je vais vous mettre tous les liens en description. Je vous recommande d'essayer ces jeux, même si je les ai probablement spoilés.
où on allait supporter les créateurs. N'oubliez pas de le faire, parce que même si vous voyez dans des vidéos de let's play les jeux finis ou non, même si vous connaissez leur histoire, si les jeux vous ont parlé, bon, n'oubliez pas de soutenir les développeurs, ça peut les aider à survivre eux aussi. Et pas de raison. Si vous avez profité du fait que des gens fassent des vidéos sur ces jeux, c'est que ces jeux vous ont plu d'une certaine façon. Donc n'oubliez pas de soutenir. N'oubliez pas de soutenir vos créateurs préférés. Sur ce, c'est la fin de cet épisode de La Bouilloire. Je vous remercie d'avoir suivi. Soutenez vos créateurs préférés. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et des jeux testés. Et je vous dis à la prochaine pour cette fois-ci repasser sur un jeu indépendant.